Ah, c'est la première des choses. Shaq il veut se taper avec Rudy Gobert, apparemment. Apparemment, il veut se taper. Ça va ou quoi? Apparemment, Rudy Gobert il veut se taper. Attendez, j'envoie un message dans le Discord. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que c'est bon. Vous m'entendez, ouais. Ok, bon, on est parti. Déjà, il y a plusieurs vidéos, il y a plusieurs trucs, mais... Ok, je vais regarder celui-là. Est-ce que mon chat, il s'affiche? Est-ce que vous pouvez parler dans le chat, s'il vous plaît? Je vois si mon chat, il s'affiche. Ok, Patrick, ça rejoint le canal, ok, c'est bon, normalement. Yo, ça vaut quoi? Bon, déjà, je sais pas si vous avez vu que Rudy Gobert, il s'est mis au MMA. Donc, je pense que Shaq, il devrait se calmer un peu. Bah, déjà, il a investi dans la Ares, je crois. Soit la MMA Factory, soit Ares, je sais pas dans quoi il a investi, mais en tout cas, Gobert, maintenant, il est dans la MMA. T'as mis tes premiers points en match? Ah ouais. Félicitations, bro. C'était quoi tes premiers points? Pire, je me rappelle, moi, à mes débuts, je crois que j'ai fait 3 ou 4 matchs sans marquer. Hein. Ah ouais, non, à mes débuts, j'ai fait là les matchs à 0 points. Félicitations, gros. Maintenant, la prochaine étape, c'est de mettre 10 points, gros. Ok, bon, on va voir ça. Ah putain, je suis ouf, il n'aime pas brancher mon casque. Ok. Donc il a dit si Rudy Gobert était dans son équipe, il l'aurait tapé depuis longtemps. Tamso c'est 20 minimum, bah, ça dépend à quel niveau tu joues frérot. Parce que en pro, mon gars, il n'y a même pas de gars qui tourne à plus de 20 points de moyenne. Donc 20 points de moyenne, c'est pas partout. C'est pas toutes les équipes où il y a 20 points de moyenne. Hein. Quand tu commences à arriver à un bon niveau, des fois. Après ça dépend de la configuration de ton équipe. Par exemple, moi l'année dernière. Dans mon équipe, en N3, on n'avait personne au-dessus de 13 points. Mais on avait 5 ou 6 joueurs entre 10 et 13 points, tu vois. Donc ça dépend aussi de ton équipe, comment la marque elle est répartie. Il y a des équipes où il y a peut-être un scoreur à 20 points, 25 points, et le reste sont à 8, 7, 6. Nous, l'année dernière, par exemple, notre équipe, la marque a été super bien répartie, tu vois. Et je pense que c'est plus difficile à battre une équipe où la marque elle est répartie ou une équipe où il n'y a qu'un seul joueur qui score. Il a dit quand t'as un grand joueur qui attend des choses de toi, bah ça t'aide à avoir ça t'aide à avoir les mêmes attentes pour toi. Donc quand t'as un grand joueur comme Shaq par exemple, il attendait beaucoup de Udonis Haslem, et bah ça l'aidait en fait. Ah, c'est le portrait de Shaq carrément. Ah, sur ça, il parle tout le temps. Ok. Ok, bon, on va aller sur ce poste de basket info. Si tu continues à jouer comme tu joues, ça va ruiner ce qu'on a. La longue réponse de Shaq à Rudy Gobert.
Beaucoup de ces big men, quand je les mets au défi comme ça, ils échouent au test parce qu'ils répondent. Premièrement, si tu gagnes 250 et que tu montres à la hauteur de ton contrat suivant sera de combien? 500? Je serai le premier à vouloir t'aider à l'obtenir. Quand je parle, j'essaie de me baser sur des faits. Peut-être que ça ne sont. Peut-être que ça ne. Je trouve un poulet à regarder. J'ai trouvé un poulet, c'est quoi? Peut-être que ça ne sort pas de la bonne façon et que ça ne peut. Que ça peut te faire penser que je suis un hater. Avec ses commentaires, il essaie de rester dans le coup. Je suis dans 15 pubs actuellement. Continue à parler. Je veux que tu protèges ce que nous avons. Car si tu joues bien et que tu obtiens 500 millions, il y a un gamin derrière toi qui pourrait en avoir 700. Mais si tu continues à jouer comme tu joues, ça va ruiner ce qu'on a. Ok, donc en gros, ce qu'il veut dire, c'est que si Gobert et comment tu connais à jouer comme il joue, bah, ça va pas être bon pour les big men parce qu'on va dire que les big men ils servent à rien et qu'il y aura des moins bons contrats. C'est ce qu'il veut dire. Je fais ce que les Bigs m'ont fait. Quand je suis arrivé à LA, ils ne faisaient que de me comparer à Karim. Karim a dit un jour, Shaq est peut-être bon, mais il ne gagne pas de titre. J'allais faire quoi? Répondre à Karim? Non, il avait raison. Tu ne penses pas que j'ai raison, Rudy? Regarde cette photo. Quelqu'un te pousse, tu tombes. Pourquoi tu viens attraper ses genoux non, ça par contre, sur ce point-là, il a raison. Enfin, là, quand Embiid, j'ai jamais compris ça, là. Ce qu'il a fait, là, cette action, je l'ai jamais compris. Je ne sais pas ce qui est passé par la tête. C'est quoi, ça? Mets-lui un coup de pied, je sais pas. Fais quelque chose. Tu es le defensive player of the year, mais chaque scouting report que je vois, tu es ciblé. Damn! Ah, ça, je sais pas si c'est vrai ou pas. Il est ciblé, carrément? Ça, c'est intéressant, ça. Il est ciblé. Damn! Je n'ai pas de problème avec ce que tu gagnes ou ce que tu as accompli, Rudy. Et si tu parles de tes petits trophées que tu as concernant tes accomplissements, ce n'est pas suffisant. Quand tu te fais 250, quand tu fais 200, ils ont oublié les millions, je pense. Quand tu fais 250 millions, jeune homme, ce n'est pas suffisant. Tu veux nous impressionner? Gagne un titre. Je n'ai pas besoin de likes, je n'ai pas besoin de vues. Tout ce que je veux, c'est pouvoir entrer dans un magasin et pouvoir acheter un sac à 3 000 $ à ma mère et que mes enfants puissent aller dans n'importe quelle université. Damn! That's a flex. That's a flex. J'ai fait ce que le big man m'a fait. That's a flex. That's a flex. Bon, très bon. Après, je sais pas. Franchement, après, en fait, c'est juste. Le problème, c'est que quand tu es une victime aux States, eh ben, ils vont toujours te traiter comme une victime. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont faire que t'attaquer. Donc, c'est pour ça que chaque. Ils font que de le. Ils font que, il faut que de parler de lui, que de parler de lui, que de parler de lui. Parce que. Genre, il s'est trop laissé prendre comme une victime, Gobert. C'est ça le truc, tu vois. Et ça veut dire. Ça veut dire maintenant. Bah, pour eux, c'est une victime, tu vois. Pour ceux qui n'ont pas vu, je sais pas si vous avez vu, il a fait de la boxe là. Il a acheté, soit il a acheté le MMA Factory, soit je sais pas, mais il a fait. Ah voilà, c'est ça. Regardez. Déjà, pourquoi ils ont mis une caméra à 3,45 m, frère? C'est quoi cet angle? C'est pour pas que Cyril Gane il paraisse trop petit, mais il est pas petit en plus. Déjà, le son il est bizarre. Oh, putain, ils ont pas pu faire un. Let's go! J'espère qu'il y aura Doumbé. Vous attendez pas? Ouais, bah oui, parce que leur son il est éclaté. Le son il est éclaté. Attends. Bah oui, parce que leur son il est éclaté. Ouais, attends, où la vidéo où il fait de la boxe? Il y a une vidéo où il fait de la boxe. Ah, il n'y a pas la vidéo où il fait de la boxe.
Attends, c'est quoi? Chat comédie saint s'élève. Vous trouvez qu'il est sensible? recently had comments and you know Rudy Gobert had his opinion on how he felt. You made your opinion on him, but you responded to criticism by saying that I'm gonna show you. That's like, it. If you want to talk that, I'm gonna show you when I get in between those lines. You know it's not personal because you've been in the trenches with me. If I'd have said some shit like that to you, you'd have came in pissed off. I'd have come in there for to tear somebody's head off, lock me in a room with that, and I promise you I come out. And that's what I like. So a lot of these big men, when I put out these challenges, they fail. Ouais, bon, après bon, voilà, moi je sais pas, hein. Franchement, je peux pas moi je vais pas dire à Rudy Gobert ce qu'il doit faire, hein. Il sait très bien ce qu'il doit faire. Bah, prouve-leur le contraire, frère. Je sais pas, taf, bah après, bon. De toute façon, ça va jamais être un joueur offensif, de toute façon, Gobert, donc. Ok. Ouh! Putain, il a une vraie envergure par contre, hein. Elle a une envergure de baiser, wesh. Elle a une envergure de fou malade. Elle a une envergure de fou. Wesh, regardez son envergure. Wesh. Regarde l'espace qu'il est obligé de prendre, l'autre. Obligé de te calmer. T'es archi offensif sur lui, il était obligé de te calmer. Il a fait oh 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 oh. T'as t'es mal hérité, franchement, il a que ça à faire. C'est ça, les gens ils vont dire ouais, mais pourquoi il taffe pas? Pourquoi il va pas taffer son hookshot au lieu de faire de la boxe? Accompli au moins, c'est aussi. Bon, on a fini avec Rudy Gobert, hein, vas-y. Il a fait.